Exercice préparatoire à la pratique de l'aïkido. Il est basé sur des étirements, des exercices de centrage, ainsi que des exercices de sensibilisation et de développement de l'énergie interne. Aïkido, la voix, le dos, d'harmonisation aï, des énergies ki. L'aïkido est un art martial créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale par Ueshiba Morii. Tous les aïkidokas l'appellent aujourd'hui O-sensei. Cet homme de génie a conçu à partir de différentes écoles un art martial original où toute idée d'opposition disparaît. Le directeur technique de l'Institut d'Aïkido, Sensei Le Mans Étienne, 7e Dan, a pratiqué avec un des élèves directs du fondateur, Sensei Kobayashi Hirokazu, 8e Dan. Pas la respiration, Dominique. Alors, ça fait 7 ans que je pratique l'aïkido. On apprend énormément et on apprend toujours. Et j'ai l'impression que ça m'apporte, plutôt que ça m'aide à mettre du calme au quotidien et dans ma vie privée et professionnelle. Après le salut traditionnel, le premier exercice d'un cours concerne le travail des chutes. La pratique est un peu différente de celle du judo, par exemple. En effet, celui qui projette en aïkido doit élever le partenaire au lieu de l'envoyer vers le sol. Chacun pratique selon son niveau en vue de s'améliorer de séance en séance. La chute est une liberté, une façon de se détacher de la terre et symboliquement de la matière. Ce soir, c'est hop, hop, comme si vous coupiez, d'accord? Attends. La nuance ou pas? Hop. Ok, permettez. O-sensei disait souvent, on ne peut pas me prendre ma force puisque je ne m'en sers pas. Ce travail éducatif permet aux élèves de rechercher d'autres espaces que la force brute lorsque celle-ci leur est opposée. Des élèves jouent tour à tour le rôle de Sémé, celui qui fait la technique, puis le rôle d'Uke, celui qui attaque et qui va subir la technique montrée par le sensei. Les plus anciens ont un rôle important à jouer. Ils aident les plus débutants à pratiquer et à améliorer leur technique, les épaulant ainsi dans leur propre expérience. Il n'y a pas de compétition en aïkido, donc pas de groupe de niveau, de poids ou de taille, et pas de différence non plus homme-femme dans la pratique. La seule compétition qui vaille est celle qui consiste à s'améliorer soi-même. Non seulement dans la qualité de sa pratique, mais aussi dans son comportement vis-à-vis des autres. Savoir redonner sans compter est aussi important que d'apprendre à recevoir ce que l'on vous donne. C'est bon? Donc je m'appelle Fabien, je fais de l'aïkido depuis 4 ans. Je faisais pas beaucoup de sport et à un moment donné avec mon travail je me disais que j'avais pas le temps de faire de sport. Ma copine m'a amené à l'aïkido et aujourd'hui c'est un réel plaisir de venir me détendre avec le groupe. Ce que j'ai appris à l'aïkido c'est qu'effectivement on apprend à se détendre, à s'assouplir et travailler avec la personne au lieu d'être à l'encontre de la personne. Donc c'est vraiment ces trois axes qui me soulagent au quotidien dans ma vie professionnelle et dans ma vie privée. N'éloigne pas de lui, garde le temps, garde la pression. Vous avez garde la pression tout le temps. Ouais. C'est bon? Ça marche? Pas du tout.
Allez, va pas, c'est parti. Choupique. Ouf. C'est bon. Choupique. Le sabre ou boken pratiqué en aïkido est particulier. Les armes ne doivent jamais se toucher. Tout se fait avant le contact. Il s'agit donc d'un travail sur le temps et l'énergie interne. Sentir avant d'agir. Agir quand le partenaire a décidé d'agir, dans le temps de sa décision, au lieu de s'opposer à une action déjà lancée. Ça fait 4 ans que je pratique l'aïkido. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de bien au moral. Bon, je suis quelqu'un de très, très tendu. Et moi, ça m'apprend à me relâcher au quotidien, relâcher, voilà quoi. Ça fait du bien. Le bâton moyen, ou Jo, apprend la précision des déplacements. C'est aussi un travail de développement de l'énergie interne. Je fais de l'aïkido depuis 2 ans et c'est toujours un plaisir de venir. J'y pratique une activité physique et ça fait beaucoup de bien au corps et au moral. Je fais de l'aïkido depuis maintenant de nombreuses années. Je suis venu à l'aïkido après avoir fait de l'athlétisme en compétition. Et ce qui m'a attiré au départ dans l'aïkido, c'est qu'il n'y avait pas de compétition. Et j'aime bien en fait cette recherche d'harmonie où il n'y a pas d'affrontement. On est toujours dans l'esquive, en train de se déplacer, de laisser passer l'adversaire. Et ce qui est très difficile justement, c'est d'oublier cette opposition. Parce qu'on est, je ne dirais pas qu'on est programmé, mais c'est vrai qu'on en général, à partir du moment où quelqu'un s'oppose à nous, on a tendance à s'opposer pour contrer. Et l'aïkido, c'est tout le contraire. S'il y a quelqu'un qui vient s'opposer, on ne s'oppose pas et on enlève toute la force. Le travail à genoux est très important pour développer la mobilité du bassin, l'énergie interne, le ki et le sanshin, la vigilance. Il n'est pas possible d'opposer de la force à ses partenaires dans cette position. Cela oblige à rechercher d'autres chemins pour appliquer correctement une technique. Un autre exercice de travail sur la mobilité du bassin, l'absence de force et le développement de l'énergie interne, le ki. Moi, l'aïkido m'apporte beaucoup de force. C'est une forme d'apaisement, savoir se centrer, rester bien stable sur ce qu'on veut, être déterminé et tranché. Et beaucoup d'amitié, parce qu'il y a des gens assez extraordinaires à l'aïkido. Il faut l'avouer. Le salut est symbolique et très traditionnel. Le cours s'achève de la même façon qu'il commence. Salut au Kamisa, le mur d'honneur, puis salut au Sensei, le professeur. C'est aussi un instant de méditation. Poser les mains, puis le front sur le sol, ensuite se relever, signifie symboliquement « Je remets tout ce que je sais en question, dans le but de pouvoir m'élever encore ».